Alors Curie, l'arbitre pour ce dernier combat de la soirée. De la délégation qui rentre sur une merveilleuse chanson de Kill Kid for Whiskey. Alors, c'est une rivalité de il y a 20 ans in the making. Ma serveur a l'air vraiment pas impressionné, J.A. On voit un ma serveur confiant. Alors, Kevin Bray, un vétéran de 20 ans. L'agilité est là. Matt Silver, aucunement impressionné. Ouais, mais laisse-moi dire une chose, je l'aime peut-être pas, Silver, mais lui aussi est un vétéran de 20 ans. Oui. Alors, paradoxe, tout le monde est monsieur, ce combat est l'événement principal de cette soirée. Il s'agit de combat en simple pour une chose. Pour l'heure, une première de la délégation sur la provocation. En hauteur de 185 000. On voit qu'avec ces années, la Silver City est réellement morte. Ouais, Matt, c'est la cheveux. Moi, j'ai aucune idée, c'est quoi une cheveux, je suis chaud. Tu vas avoir un terme comme ça, mon Dieu. Tellement de personnes se sont déplacées uniquement pour ce combat ce soir, Big Daddy Mark. Let's go! Hey, Silver qui perd son temps à narguer la foule comme à son habitude. Break it! Mais quelle rapidité! Silver était pas prêt. Silver. Alors les deux sont en train de se retrouver après 20 ans. Les deux ont évolué. Et ça,
Silver avec des genoux à la figure. Quel tactien! Silver qui m'amène Gray. Silver qui représente encore une fois la délégation à la provocation. Alors, Tony qui confirme que c'était un. Silver qui est ensemble, aucunement content. Tout un début de combat, mon G. Silver qui s'élève. Greg qui revient. On fait traîner dans le deuxième turnbuckle. 6-1, non! 4-2! High knee, they're great. Silver qui est rendu en dehors. Oh, bien exécuté. Il a tenu sur ses pieds en plus. La tornado Kevin Gray qui vit à son nom. Alors, Kevin qui monte, il veut faire attention au plafond. Bien exécuté de Silver. Psycho knee à la figure de Gray. Silver qui tient sa figure. Compte de deux. Alors, je viens de remarquer que c'est écrit Die Hard sur le gilet de Silver, qui est un bon nom pour lui. Pierre Sam de Silver. Die Hard, t'as également un excellent film de Noël G. Oh my God! Mais quel tombé par ceux de Silver! Cocky Silver! Cocky! Mais être cocky, ça fait pas gagner des combats. Oh, calendrier! Par contre, des genoux en arrière de la tête, oui! Jusqu'à 5 pour passer. Silver qui félicite Fury pour savoir compter jusqu'à 4. Mais Gray au tapis. Malgré un petit regain de vie, Gray est toujours par terre. Silver qui parle de la deuxième avant-bas sur Gray. Gray au genou. Snap, mère Mondier. Oh, et c'est une clé. Un headlock de Silver. Ça rajoute énormément de pression sur Gray, qui a déjà de la misère à supporter lui-même. Dans l'abdomen. Gray. Oh! Silver qui le remet au tapis. Je commence à me dire que Silver a bien étudié Kevin Gray. Porte de deux, de fou. Oh, Silver qui semble aucunement amusé. Aucun nom. J'ai vraiment l'impression que Silver commence à en avoir plein son chapeau. Mais quelle soirée on a eu ensemble avec Danny Mark. Merci d'avoir été à mes côtés. Absolument, mon G, c'est toujours un plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. On s'attendait pas à une soirée aussi chaude. Oh! Deuxième! Fisherman Buster! De quelle beauté! Wow! Silver qui décide de ne pas tenir la jambe. Malgré mon dédain pour Silver, je dois avouer qu'il fait un excellent travail. Silver qui pousse Gray. Quasi à le provoquer. Silver qui le pousse à l'extérieur. Oh, en plein visage! Silver voit des étoiles! Oh! Maintenant, je crois qu'il a mal! Et quel pull breaker de l'extérieur à la deuxième fois! Kevin Gray
tout un taxi de la haute voltige. Silver était pas prêt pour ça. Malgré que c'est le dernier match, Dieu, la foule est toujours autant endiablée. Et la foule qui acclame Allez Kevin. Oh! Un kick-up de Kevin Gray. Oh wow, Silver l'a ramassé. Kevin, avec un avant-bras. Les deux athlètes donnent vraiment tout ce qu'ils ont, mon J. Silver qui l'invite à frapper plus fort. Mais quelle agressivité entre Silver. Wow, Frank. Oh, wow! Dropkick à la figure. Parce que ça sera suffisant, hein? Mais quel combat, Georges! Hey, wow! Rivalité de 20 ans déjà, mais qui est renouvelée ce soir. Mais ça paraît 20 ans! 20 ans d'animosité! Ça paraît, les deux sont complètement contents, un contre l'autre. Silver qui se prépare, peut-être pour un coup de corde à linge. Non, Kevin Gray qui renverse! Glory special! 1, 2 Kevin Gray! Oh, Springbird Cutter! 1, 2 Ouh là là, je croyais que c'était terminé! Mais c'est son finish, c'est le handspring cutter, c'est le finish à Kevin Gray! Silver qui kick out GA! Qu'est-ce que Kevin Gray a besoin de faire? Let's go, Kevin! La foule se rallie devant Kevin Gray. Kevin! Oh, Kevin qui annonce que c'est la fin du combat. Prédiction, prédiction! Oh, Canadian Destroyer! Oh, Silver est prêt. C'est renversé. Bien exécuté de Matt Silver. Oh, Silver qui le retient. Oh, c'est sur le Big Breaker. Vive la commission de Matt Silver. Oh, est-ce que c'est le saut de la lune? Bien calculé! Deux! Ah! Matt Silver! La foule est très, mais très déçue, mon Dieu! Ouais, mais quoi intéressant! Matt Silver n'a pas eu besoin de personne pour vaincre Kevin Gray ce soir! Précisons-le! Est-ce que c'est la fin de cette feud entre les deux? Je préfère la chanson à l'homme! Le président! Le président a volé le micro, mesdames et messieurs! Un très beau combat en main event pour Matt Silver et Kevin Gray. Matt Silver est la victoire de la grande finale. Et puis le président de la FML, Eric Osmeca. Oui, mais... On a su un bon show, quoi? Je pense qu'on a eu les moussages ce soir, qu'on a eu les moussages. Est-ce qu'on a eu les Absolument, j'ai hâte de revoir Kevin Gray.
Et voilà, la branche de lit est là. Alors, merci tout le monde d'avoir été ici ce soir. Paradox, tu termines la soirée. Alors, merci tout le monde d'avoir été des dons. Merci Big Daddy Mark d'être avec moi. On va être ici, si tu peux, pour le recap de la soirée avec le Laval 3. Merci. À très bientôt.